les mecs, je vais vous montrer une dinguerie. Et gardez. Il s'appelle 8888, c'est une tourtelle. Quoi ? En fait, on l'a trouvée sur la route. Elle avait une aile cassée, regardez. Vous voyez le bondage ? J'en prends bien soin et je m'occupe de elle. Hein. Parce que, en fait, je crois que c'est une fille. Ouais, les gars, t'as dit quoi là ? Et les mecs, je crois qu'elle a 15 ans ou 16 ans. Combien ? Et je la donne du Smecta, du Doliprane avec ça. Parce que c'est un petit truc où tu mets dans le truc et tu la donnes après. L'objectif, c'est de la soigner, de la relâcher et de la redonner à ses copains. Parce que moi, j'ai des potes, genre, on m'arrache pas et après, on me le redonne après un an. C'est pas gentil, bah, c'est pour ça. On va la relâcher. J'ai plein de bonbons. Parce que je suis un frère trop gentil, j'en donnais un démo et un à Rémi. Parce que je suis un frère trop gentil, Moham. À Démonix. C'est quoi ça? Ah, c'est le bateau, tu veux vous rappeler de la vidéo fusée? C'est une fusée. Et en fait, c'est une cabane. Il faut que tu colories tout ça. C'est ça, t'as vu? Démo, tiens, parce que je suis trop gentil. C'est quoi? Un petit Moham. Il y a 5 lettres. Ma-O-Ham. Essaye de le prononcer bien, frère. C'est bon, tu me filmes de près là, non? Bah merci, mec, c'est gentil. C'est quoi, c'était bonbons d'Halloween? Ouais. Mec, okay. J'ai une question. Tu te rappelles la vidéo fusée? Pourquoi tu filmes, toi, déjà? Parce que j'avais juste envie de filmer. Tu vois la vidéo fusée? Ouais. T'avais acheté un bateau aussi? Ouais. Bah quoi, on va le faire? Parce que ça fait 48 jours, on l'a pas fait. Bah, je sais pas. Bah, viens, on va le faire. Coloriage du bateau maintenant? Ouais. Ah ouais? Ouais, je suis chaud moi. Vraiment chaud là? Je suis chaud, ouais, chicha. Attends, il est où là? Il est là-bas, je crois. Pour les mecs, on pourra faire le bateau, chiche. J'ai plus grand. Mais on avait galéré la dernière fois, gros. Mais comment on va le terminer là? On va jamais terminer. Comment on va faire, les mecs? Le bateau, on fait vraiment cette vidéo, Nadir? Bah wesh les frérots, du coup c'est ton compte Démonexion. On est avec Najim. Najim les mecs, il a une idée, c'est de faire le bateau. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo fusée dessus. La vidéo elle nous avait mis je ne sais pas combien de jours à faire. Par contre Najim, je propose un truc. Ouais. Si on termine le bateau, il faut aller dans l'eau avec après. Je suis chaud. Par contre il nous faut l'aide de Rémi et Zizou, sinon c'est impossible, frère. Attends, je prédis combien de jours on va faire. Combien? Un mois. Non mais t'es un ouf toi, il faut moins de jours, frère, sinon c'est pas possible. On est jeudi, on a jusqu'à dimanche parce que dimanche c'est l'école. C'est bon ou pas? C'est bon? Faut qu'on colorie tout ça les mecs. On avait déjà fait les mecs un épisode 1 du coup où c'était une fusée. À la fin Nadim il est rentré dedans, il l'a explosé. Elle est cassée. Là l'objectif les mecs c'est de colorier le bateau, de le terminer, de l'amener dans l'eau pour voir s'il tient. On aura besoin de l'aide de Rémi, Zizou, Nadim. Déjà, est-ce qu'il y a des feutres? Là les mecs, il y a déjà une première boîte de feutres. C'est des luxe hein? C'est des luxe? Ouais c'est des feutres de luxe. Première boîte de feutres, Nadim, je vais aller en racheter 3 ou 4 autres. C'est bon ou pas? Tu vas commencer à colorier? Je compte sur toi, tu commences à travailler sérieusement mec. Directement yes. Maintenant, là il est 17h, 17h45. Tu reviens à quelle heure? Je reviens à 18h max, ok? Et okay. Toi il faut que tu commences. Ok. Faut que tu sois super efficace. T'es chaud? Ok. C'est bon? Ok. On y va? Ok. Let's go. Ok. Allez, feutres. Bon les mecs, j'ai donné pour mission à Nadim de continuer. Moi, je vais aller acheter des feutres. Parce que les mecs, sans feutres, ça va être compliqué. Et on a qu'une seule boîte pour l'instant. Donc, c'est parti. Là, on va être parti, les gars, pour plusieurs jours. Donc, comme la dernière fois, je pense qu'on va filmer à chaque fois sur plusieurs jours. Là, il est 17h. Ensuite, on va passer la nuit, demain, etc. etc. Faut qu'on le termine dimanche. Déjà, je vais voir Rémi. Mais non, mais frérot, mais tu dors pas encore à cette heure-là. Rémi, tu dors vraiment, gros? Mais Rémi, Rémi. Non, je vais m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Non, j'ai voulu faire une pause. Gros, pour premier degré. Rémi, regarde l'heure, s'il te plaît. Laisse-moi m'expliquer. Frérot. Je me suis réveillé à 10h du matin. J'ai fait mes devoirs. Ouais. Et là, à 14h, j'en pouvais plus. Je suis un peu fatigué. Du coup, là, je me suis endormi. Mais là, il est 18h. Gros. Ouais, mais ça, je vais blanche. Soit nuit blanche. C'est parfait, gros. Tu sais pourquoi? Rémi, je te rappelle la vidéo de la fusée? Je te rappelle de cette vidéo. On va faire un bateau. Ok, faut qu'on colorie un bateau, frérot. On a jusqu'à dimanche pour colorier un bateau. Et moi, c'est la nuit blanche sur l'ordi, hein, pas. Ouais, non, bah, oh, regarde, tu vas faire une nuit blanche, mais tu vas colorier des fois. Ensuite, tu retournes sur le. Ah, mais j'ai les devoirs aussi. Tu retournes sur le bateau, tu retournes sur tes devoirs, tu retournes sur le bateau, tu retournes sur l'ordi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et dimanche, faut qu'on le teste dans une rivière. Il y a un bateau à colorier, c'est bon? Il est dans ma chambre. Ok. Parfait, je vais prévenir Zizou. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah oui, qu'il dort, il est 18h. Voilà. Il fait une sieste, il dit là. Jusqu'à 5h du matin, hein. Ah bah voilà, il l'a pas dit ça, ce chien. Jusqu'à 5h du matin, elle a dit maman. Ouais, mais après je me suis réveillé à 10h. Ça te fait que 5h de sommeil et tu me dis je suis fatigué. Bah voilà pourquoi t'es fatigué, Clodo. Zizou. Et là, wesh. Qu'est-ce que tu fais, gros? Pourquoi t'es au coin? Zizou, il y a une mission, gros. Comment tu vas pour commencer?
Au top. Au top. Et toi? Ça va, merci. Tu sais que t'es le premier gars qui me dit et toi, hein, je crois, dans la famille. Zizou, je te rappelle la vidéo fusée. Bah là, gros, j'ai acheté un bateau. Le bateau, faut qu'on le colorie. On a jusqu'à dimanche. Et dimanche, on va le tester dans une rivière. Tous les feutres sont dans ma chambre. Donc faut pas que t'essayes d'aller nous donner un coup de main. C'est bon? C'est un bateau en carton? Ouais. Bateau en carton à colorier, et on va dans l'eau. Ah, je suis pas sûr là d'un coup là. Et tu sais quoi, je vais rajouter une règle. Celui qui nous aide le moins, c'est lui qui va dans la rivière qui va le tester. C'est bon? Ok. Parfait. C'est bon? Ok. Vas-y, parfait. J'arrive. Oublie pas, hein. Ouais, vas-y. Ouais. Les mecs, c'est parti, je vais aller acheter les feutres. Après le couvre-feu, il y a un couvrement. On dirait qu'il est 21h, il est que 17h53, donc ça va, les magasins ils sont encore ouverts. On va en profiter pour aller vite acheter des feutres. Déjà que Zizou, j'avais l'impression qu'il était pas très motivé, Rémi on n'en parle pas. Donc on va aller chercher le matos qu'il faut les mecs, sinon ce bateau là il va jamais se terminer. Pardon. Calanda. Oh shit. Eh mec, je fais une pause, je vais aller voir 8 et je vais aller voir 8 contre Nadimo El Bogosito. Regardez la map. Ici le joueur 8 et sa raquette. C'est parti. Ah bah, attends. Mais ouais mon gars. Prêt? Ça fait 2 à 0. Les mecs, on est arrivé. 3 boîtes de feutres, ça en fait 4 avec au-dessus. Chacun sa boîte de feutres, c'est carré les gars, y'a pas d'excuses. Let's go baby, on retourne au coloriage. J'espère que Nadim il a bien avancé les mecs. Eh les mecs, 8, il est trop nul pour moi. Alors on va retourner colorier. Hagra. Zizou, reste là. Tiens. Pour toi? Ouais, y en a 3. Pour toi, toi, là, c'est un dégueu. Voilà. Moi j'en ai un, Nadim en a un. C'est bon les mecs, vous connaissez votre mission. 400 000 abonnés. Si tout le monde fait un don de 10 euros, ça nous fait. Mais toi t'es vraiment un chien toi. 4 millions. T'es content ou pas d'avoir eu. C'est même pas 1 euro, 50 centimes. 50 centimes chacun. Vous êtes content ou pas d'avoir eu. Ça fait 200 000. 200 000. Vous êtes content ou pas d'avoir eu les. 200 000. Ou alors 10 centimes. Vous êtes content ou pas d'avoir eu les 400 000. Ça fait 50 000 euros, non c'est pas beaucoup. Vous n'avez rien à faire, bande de gros chiens. Mais non, mais moi là. Je sais pas comment réagir. Ah, c'était tellement l'émotion, allez. En fait, regarde, je vais t'aider, ça le chien. En fait, c'est cool. Tout est éphémère. Ok, j'ai 400 000 abonnés, mais peut-être aller en enfer. Je disais dingue, lui. Non, moi je vais pleurer tellement je suis heureux là. Vas-y, je vais voir Nadim parce qu'à tout moment il est en train de peindre les murs. Bah oui, tout est éphémère. Ta tête qui est éphémère, gros. Ça va pour un petit début. C'est pas mal. Toi, t'es coloré en marron là. Bah oui, parce que c'est du bois. Bah, un bateau c'est formé avec du bois, c'est pas formé avec du tissu. Hein, Zizou? Oui. Mais non, mais regarde les vagues là, c'est quoi ça? Ça c'est du bois, les vagues là, c'est du bois. Il y a pas de vagues ici. Hein, Zizou, c'est faux. Zizou. Je reviens, je vais demander à Rémi. Les gars, objectif, on termine avant dimanche. On veut le tester avant l'école, ouais, c'est bon? Terminé, ouais. Let's go. Ouais. Nadim, d'ailleurs, mec. Ouais. On a combien d'abonnés? Attends, viens voir deux secondes. C'est quoi ce que t'as sur la tête? Pourquoi t'as des paillettes sur le visage là? Pourquoi t'as du maquillage? Mais attends, mais. C'est pour ça? Parce qu'en fait, il. Mais pourquoi t'as des couilles sur tes cheveux? C'est du gel, arrête! Rémi, t'as vu ce qu'il a fait lui? Non. Viens voir. Viens voir ce qu'il a fait. Non. Ouais, il y a des paillettes. Il devait avoir une trace de chocolat, et au lieu de le mettre de l'eau, il y a du maquillage par-dessus, ce clodo. Partout en plus. Vas-y, bref, vas-y. Oh là! Allez, c'est parti, attaquez le bateau. On est jamais posé comme ça et on parle sérieusement un peu, non? Vraiment. Posé et on parle entre frères, ça fait du bien. Non. Des vraies discussions. Vous avez besoin d'une quatrième. Ah, let's go! En vrai, demain, pour vous, qu'est-ce qui doit être changé? Dans le monde. Dans le monde? Ouais. En fait, on connaît rien sur le monde. T'entends des trucs de diable, t'entends des trucs de musique, des pactes. Donc, toi pour toi, en fait, il y a trop de trucs qu'on sait pas. Ouais, on nous cache tout, en fait. Ok, pour toi, tu vis dans un monde, on est dans Total Spice. Zizou? Comment l'argent est utilisé? En une phrase claire. Une phrase claire? Ouais. Ceux qui possèdent les pleins pouvoirs pourraient arrêter des choses graves dans le monde, mais ne le font pas parce que ça va pas dans la France. Et moi? Nadim, un truc dans le monde que t'aimerais changer ou que t'étais pas d'accord? Tous les 8, me laisser dans le monde, je veux les avoir et les soigner. Et les chiens à adopter, je veux les trouver une famille, comme ça ils sont bien. Bah c'est Pokémon, quoi. Ça c'est beau ça. Il a envie d'attraper tous les 8.
Mais déjà, pourquoi tu dis 8, 8, 8, 8, 8? Parce que c'est son nom. Bah, on dit cuit, 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 non? Quand c'est un oiseau, pourquoi tu dis 8, 8? Pourquoi on dit les chats, minou? Eh, c'est quoi ton pays de rêve? T'aimerais aller, genre, obligé. En Danemark. Quoi? C'est quoi, moi j'irai en Suisse? Pareil. Je sais même pas où c'est la Suisse. Oui. Rémi, t'irais où? J'irai en Jamaïque. Jamaïque. À la Juventus aussi. Moi j'irai dans le pays 8888 comme ah, ça. Ah oui, ça. Je vais sauver tous les 888. Rémi, c'est une hélice. Eh bah, frère. On l'a fait pas en marron. Bien sûr que si. Une hélice, c'est noir ou gris. Ah oui. Est-ce que vous êtes chaud? Non, je suis une association de 888888. Je suis chaud. C'est vrai? De quoi? Mais je viens de te le dire là. On monte une association de 888. Ah, j'avais mon dedans dans mon oreille. On monte une association de 888888. Je suis chaud. Ce soir, moi, je suis pas là, j'ai une mauvaise nouvelle. Yes. Compte sur vous pour avancer le bateau. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai, les gars, vraiment. Hein. Ouais. On va se relayer. Bon. Et ouais. Ça, on fait toute la nuit. Toute la nuit, c'est bon? J'ai fait ma signature. T'as vu, c'est quoi ma signature, Nemo? Si je peux travailler dans l'humanitaire, je pense que je travaille dans l'humanitaire. Ah ouais? C'est l'infirmerie, ça? Humanitaire, humanité. C'est un chien. Tu viens de dire, c'est pas ce que c'est l'humanitaire. T'es un gars humanitaire, toi? Ouais, il est fou. Mais comment tu parles à personne? Il est de personne, il parle à personne. Tu fais que de voyager. Nadim, t'aimerais faire quoi comme métier? Éleveur de 8888. À la Juventus. Je sais pas pourquoi je lui demande, lui. Ronaldo, avant, il était là-bas. C'est bon, Nadim a trouvé son métier. Il y a la 888, il est rentré dans la chambre. J'ai envie d'être kebabeur. Est-ce que tu sais que kebabeur, la viande qui tourne, c'est des 8888888? Oh shit! Oh shit! Qu'est-ce que tu vas faire? Pause pour Zizou. Toi, t'as rien fait, Rémi. Moi? Ouais, d'où Rémi, j'ai rien, son fou. Ferme-la, regarde ce que j'ai fait, là. Et Nadim, tu crois que c'est un traîneau lot du Père Noël, toi? C'est Rémi! Regarde, Rémi, c'est éclat. Rémi, espèce de chien, gros. Gros, c'est juste des gouttes. Arrête, colorie bien les gouttes. Ça éclabousse tellement trop. Et gros, là, une hélice, c'est pas. Rémi, tu fais pas un dessin pourri, gros. Fais un beau dessin. Moi, j'ai fait un beau truc. Zizou, il a fait un beau truc. Et Nadim, il croit que c'est le traîneau du Père Noël. Il va être pourri, le bateau. C'est Among Us. C'est pas Among Us. Bon, les gars, moi, je fais une pause. Je fais une pause avec Zizou, je me casse. Moi aussi, je vais aller. Vas-y, on fait tous une pause. Les gars, moi, je vais faire mon planning de ce soir. Là, il est quelle heure, là? De 19h jusqu'à minuit. Je crois que je m'en fous, en fait. 1h jusqu'à. Non, je rigole, c'est pas. Je crois que je m'en fous. En fait, je m'en fous. Et après, je colorie. Ok, ça marche. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ouais, Nadim. Mon planning, c'est de dormir ici et de colorier toute la nuit. C'est vrai? Ouais. Tu dors ici? Ouais. Tout seul? Ouais. Le mec, je compte sur vous. Ouais. Le soir, vous avancez et le matin, moi, j'arrive et c'est moi qui avance. C'est bon? Ouais, ouais. Nadim, t'as du foutre sur la bouche. Faut que tu remettes du maquillage par-dessus. T'as mis le feutre dans ta bouche, là? Langue paralysée à cause du feutre. Pour éviter de perdre la parole. Donc, soit vous vous dérendez directement à l'hôpital, soit pendant 50 minutes, vous êtes à cloche-pied pour faire passer le liquide cérébro-viscal côté droit. Ok. S'il s'enlève du cloche-pied, on appelle le 3630, c'est bon? Vas-y. Vas-y, c'est bon. 3630, c'est mieux. Ouais, 3630, c'est mieux. C'est bon ou pas? Les mecs, je vais jouer à Rocket League en sautant. Ça va être hardcore. Je sais pas comment. 15 minutes later. Moi, je vais prendre la voiture et on va se retrouver demain. J'ai juste pas pris les clés, les mecs. On va retourner comme ça, on va voir si Nadim il est encore à cloche-pied. Il est encore à cloche-pied, Nadim ou pas? Ok, mec. Ok. Il est à cloche-pied. Vous avez avancé dès le dessin pendant que je suis parti là? Ouais, là j'ai fait. Vas-y, viens voir, viens. Vas-y, montre-moi. Ça fait même pas 5 minutes, je viens de partir. Là, tu me fais pas confiance. Nadim, s'il te plaît, cloche-pied. Vas-y. Tu me fais pas confiance. Bah non. Et pourquoi tu veux qu'on aille voir? Tu me fais confiance en vrai? Non. Vas-y, je veux voir si vous êtes vraiment efficace. Attends. Je vous ai laissé, vous étiez sur le dessin. Wesh. Non. Wow, force à toi, mais mon gars. Voilà. Mais gros, je suis parti 5 minutes. Je suis parti 5 minutes. Vous avez pas avancé le dessin et une khala dans ma chambre. Yes. En 5 minutes, c'est passé ça là. En 5 minutes, il y a juste une merde en plus dans ma chambre. Il y a pas eu plus de dessin. Oh shit. Mais gros, un chat, il fait pas ça, si. Non, c'est hardcore, il y a la chiasse. Mes clés sont là, le dessin a pas avancé et une khala. Ouais. Les gars, j'espère que demain, quand je reviendrai, ça va pire. Non, bah là, je allez, bonne pas, soirée. Là, je peux pas venir là. Sur ce, bonne soirée. Oh, ça pue. Je vous laisse la caméra, tiens. Les gars, fait un peu de la peine. J'ai pris ça. En fait, c'est de l'encens un peu. Et je vais en mettre partout dans sa chambre. Parce qu'en vrai, c'est l'odeur, les gars. J'ai fait vomir dessus. Un peu là. Non, c'est une dingue. L'acte, il était ici. On met un peu vers le PC. On met un peu sur les dessins aussi pour qu'ils sentent bon. Oh non. Ah, ça brûle. Ok, c'est bon. Petite bonne action du jour. Petite bonne action. Toute la nuit. C'est vrai? Oui. Les gars. Vraiment pas que je fasse tomber le lait sur le dessin, sinon tout ça on aurait fait pour rien. On va jamais le terminer. Vas-y, un petit ASMR. ASMR. Je vais pas.
pas s'ouvrir ce kiwi? Aïe, c'est mère. Bon les gars, j'ai de me réveiller là. Je suis explosé. T'as vu Nadim ou pas Zizou? Bah il dormait avec toi, non? Non. Non, je l'ai mis dans son lit. Va voir dehors, va voir vers les poules. Regarde non. Dans ma chambre, des fois il dort dans ma chambre. Vas-y. Ok, y'a personne. Y'a personne dans la chambre de Zizou. Nadim! Tu fais quoi? Je t'ai sonné. Je suis endormi. Attends, mais t'as quoi autour de la bouche? Frère. T'as du feu sur la bouche, hein? Non, c'est du gâteau. J'ai mangé du gâteau. Oui. Allez, oui, bah le gâteau, il est effleuré sans le gâteau. Il a fumé sa chambre, t'es qui ouais. Il a défoncé son truc là. Manger. Ouvre la bouche, viens. Non, allez, viens, arrête. T'as avancé le dessin. Attends, mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'il a rien fait. Genre, il a juste dormi là pour c'est-à-dire, dormir. C'est-à-dire, il est venu là-haut, genre, il a pris la couette, il s'est endormi. Il a rien fait. Moi, je fais la boussole là-bas et je me casse. Je fais AW3. Vas-y. Dans deux jours, c'est l'école, frère. C'est-à-dire quoi AW3? Non, je fais le. Moi, j'ai fini. AW3. Pour ma part, ça avance, là. Bon, les mecs, je viens d'arriver chez moi. On va voir s'ils ont bien avancé le bateau. Les gars, vous avez entendu la voiture couiner? Est-ce que vous avez reconnu ce couinage de voiture? Cette voiture qui couine. Salut. Eh oui, la Toutoui. La Toutoui avec l'homme le plus beau de France. Tu fais quoi, mec? Ah, tu vas la prière? Ouais. Vous avez bien avancé le bateau, je suppose. Fou malade. C'est vrai? Tu vas être choqué, frère. Vas-y, c'est bon, je vais découvrir ça. Vas-y, mec, à tout à l'heure. Allez, salut. Ok, c'est parti, les mecs. On va les découvrir un peu. Est-ce qu'ils ont avancé le bateau? Les mecs, on est déjà vendredi. Demain, il y a la PGW. Et après-demain, faut qu'on teste le bateau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faut qu'on avance bien, les mecs. Faut qu'on avance bien parce que demain, on sera quasiment pas à la maison avec Nadine. Déjà, on va voir ce qu'ils ont fait les deux autres. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai bien dormi, les mecs. Donc voilà, on revient à la maison tranquillement. Nadim, Rémi, ça va les mecs? Comment vous allez, les gros secs? On est le 3 là. Ouais. Il y a la première saison de Fortnite. Ouais, je l'ai installé. Rémi, les mecs, Rémi, c'est l'homme le moins bénéfique de France. Il a gagné une PS5, les gars. Elle est là depuis que tu as gagné. On dirait que c'est un trophée, elle a pas bougé. Voilà, elle est là. Donc si jamais. Nadim, tu l'as installé sur la Switch? Ouais. Le bateau, c'est comment? T'as avancé le bateau ou pas? On va voir ça, les mecs. Est-ce qu'ils ont avancé le bateau? Oh, c'est foutu, les gars. Ça a pas du tout été avancé. Allez, montez, on y va. Nadim, demain, on a la PGW, on sera quasiment pas à la maison. Donc faut qu'on avance le bateau là. Mec, à 14h30, maman, elle est d'accord que je fasse une promenade. Je m'en fous. Tu sais qui a gagné le ballon d'or? Ronaldo. C'est Lionel Messi qui a gagné. Il va avoir une autre cérémonie. Ah, il va y avoir deux ballons d'or? Ouais. Il va y avoir un deuxième? Oui. Il y a le deuxième ballon d'or. Ouais. J'avais dit que si c'était Lionel Messi qui l'avait, on devait passer toute une après-midi dans un poulailler. C'est Lionel Messi qui l'a eu. Donc cet après-midi tu rentres de ta balade. Là on va colorier. Cet après-midi tu rentres de ta balade. On va dans le poulailler. On se pose avec les poules. Okay. 8 8 8 8 8 8 8. Il va bien ou pas? Je sais pas où il est. Rémi? Je peux y aller moi aussi. Comment ça il est où? Il est où? Je sais pas. Maman. Il a perdu 8 8 8 8 8 8. Il va super bien. C'est vrai? Ouais. Ok, ça fait plaisir. C'est parti, go là, allez go. T'as une tenue pour être BG à la PGW ou pas? Non. Ah bon? Ah oui, les mecs, 400 000 abonnés. J'ai pas oublié, hein. Il faut qu'on soit menotté avec un abonné, ça veut dire on sera 5. Mais je pense qu'on va le faire pendant les vacances de ski. T'imagines, sur une piste de ski, on sera les 5 menottés. En fait, je comprends rien au dessin, moi. En gros, c'est un bateau, en fait. Y'a rien de comprendre. On fait une pause, tu sais que ça va être incroyable quand on va aller sur l'eau avec. C'est vraiment un bateau qui va dans l'eau. Rémi, arrête de dépasser. J'ai fini le chat pour ma part. Nadim, t'as fait quoi? J'ai fait ça. Ouais, tu l'avais pas fini. J'ai fait ça. Ça me mit tous, ça se l'a fait hier. On fait une pause, les mecs. Nadim, termine un truc et après tu vas partir en balade. Tu rentres, on va dans le poulailler. Nadim, termine ton truc. Rémi, finis la vague. Après, tu vas faire une sieste. Moi, le chat, il est fini. Pendant que Nadim, il fait sa balade, je vais aller lui acheter des habits, les mecs, pour la PGW. Des habits stylés, je vais chercher ça. C'est bon, tu me fais confiance? Ok, pas de patrouille. Truc stylé. Non, j'ai fini. Bonne petite sieste. Allez, à tout à l'heure, les mecs. Les mecs, pour être le plus Gucci de toute la Paris Games Week, faut que je mange une glace. Regardez la glace, elle est en or, ça veut dire pendant la Paris Games Week, je serai en or. Regardez, elle est en or. Une glace en or, comme ça, je serai en or à la Paris Games Week. Stylé. Et là, t'as juste filmé ta glace, là. Ouais. Bon, les mecs, faut que je m'entraîne pour ma coiffure. Pour la Paris Games Week. Vous mouillez un peu le truc pour ici, pour vous réveiller. Par contre, là, il faut se sécher. Après, vous mettez de la crème. C'est de la crème. Excusez-moi, chef. Chef. C'est une crème. Chef. En vrai, c'est une crème pour... nice. En vrai. On my Tuesday, on my Friday, on my... Hop, vous mettez. On my Tuesday, on my Friday...
et après vous vous coiffez. Je me prépare. Un peu de gel. One on Tuesday, on a Friday, on the Saturday. Hop, là, faut bien que j'en mets. On est Tuesday, on a Friday, on a Saturday. Et maintenant, vous êtes prêts, les manes. Wesh, mais attends, qu'est-ce que tu fais? On est Tuesday, on a Friday, on a Saturday. J'en ai un. Quoi? T'as vu, c'est le top 1 dans... Tu vois cette chanson, bah c'est le top 1 de... C'est quoi le top 1? C'est quoi la chanson? C'est celle-là. When it's Tuesday, I'm a Friday, I do not do it. C'est le top 1 de Corée. Tu valides la coiffure ou pas? Yeah. Attends, chute. Tu valides? Ouais. Stylé, Nadim. Mais attends, j'allais faire ma petite balade. Tu vas faire ta petite balade comme ça, là? Ouais. Tu sais que t'as un peu de savon sur le visage, quand même. Je m'en fous. Attends, viens voir. J'y vais. Maman? C'est pas du tout. T'aimes bien ou pas la coiffure? Magnifique. T'aimes bien? Oui, ça va. Ouais. Mais c'est quoi le truc blanc qu'il a partout? C'est de la crème. Ah, il a mis de la crème pour être beau gosse, maman. La crème hydratante. Ça me vient. Non. Ah, t'es un peu trop hydraté. Allez, c'est bon, je vais aller faire ma promenade. Vas-y, bonne balade, mec. Bon, les mecs, Nadim, il allait faire sa promenade. Il est là-bas, il va rejoindre son pote qui est là-bas. Et nous, on va aller lui acheter des habits pour la Paris Games Switch. Bon les frérots, du coup ça y est, moi je suis sur la route. Je vais me rendre directement donc dans un magasin pour en fait je sais même pas pourquoi il veut des habits pour demain, mais vas-y, on va lui prendre des petits habits pour demain, comme ça va être en mode Gucci, va être content. Et j'ai vu les mecs qu'il y avait la saison 1 de Fortnite, j'avais complètement oublié. La saison 1 de Fortnite, ça veut dire ce soir on va essayer de stream dessus. Ça fait une grosse journée, il y a beaucoup de trucs à faire. On va essayer de tous les faire les mecs. Mais là déjà pour l'instant on va aller acheter les habits pour Nadim pour la PGW demain, pendant que lui il est en train de se balader tranquille avec son pote. Il faut qu'on aille dans le poulailler, faut qu'on fasse un live. Avant d'aller chercher le petit outfit de Nadim, je vais aller me prendre une petite paire. Je vais vous montrer ça, les gars. Vous allez me dire si vous validez ou pas. C'est la petite Dunk Retro Valentine's Day. Les gars, elle est super carrée, je la voulais. Là, on va l'acheter, l'outfit de Nadim. C'est parti, les gars. Normalement, je devais faire mes devoirs. Mais là, on est le 3. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle saison de Fortnite qui est sortie. Un DS DSUS. 2 euros. Une dissertation. Lire un livre. Je vais jouer à Fortnite. Voilà. Et ça, la Fortnite. Bon, les mecs, ça y est, j'ai la outfit de Nadim. Bon, vous allez voir qu'il va absolument pas mettre ça. Mais bon, c'est pas grave. On va à la caisse. Après, on rentre directement, les mecs. Faut qu'on aille avec les poules. Let's go, baby. Nadimo ? Ouais. Mec, je t'ai ramené tes outfits. Tu vas me dire si tu valides ou pas. Je t'ai acheté un petit cargo. Tu sais ce que c'est, un cargo ? Ouais, mais c'est nul. Quoi, c'est nul ? Nul. Je déteste. Comment ça, tu détestes ? C'est le pantalon que je déteste le plus. Oui, c'est une mec. Oui ? Non, j'aime pas. Comment ça, tu détestes ? C'est un vrai truc. Deuxième, du coup. Bah, du coup. Je t'ai pris un deuxième cargo, mais en vert. Nadim, 2 cargos, ok ? Non. Si, si. Je vais en porter aucun. Si. Petit sweat. Oui. Voilà. Là, je dis oui. C'est bon, nickel, skateboard. Carré. Skateboard. Un petit deuxième sweat baseball. Moyen. Quoi, moyen ? Je te jure que moyen. Bon, allez, on va dans le poulailler, c'est parti. Vous avez promis qu'on allait dans le poulailler, on va y aller. J'ai perdu mon défi, du coup, je vous avais dit si Messi avait le ballon d'or, et ben on allait dans le poulailler avec Nadim. Donc Nadim, il est là. Tu fais quoi, gros ? En fait, il y a une traîne sur TikTok. Mais tu fais des pas chassés là, vas-y. Nadim, faut qu'on passe un peu de temps avec les poules. On va leur tenir un peu compagnie, ok ? Oui. Elles ont plus peur de nous, les mecs. Au tout début, elles avaient super peur. Et là, du coup, ça y est. Nadim, je suis assis sur quoi ? Elle les a apprivoisées. Je peux m'asseoir, tu crois ? Oui. Il y a du caca, gros. Je t'assois sur du caca là. Assieds-toi ici là. Pose avec les poules, mec. Lionel Messi, c'est le pire. Ouais, c'est le pire, Lionel Messi, frère. Je suis Kylian Mbappé et je suis Kaliente. Qu'est-ce qu'il va faire R? Mais je te dis que t'es gros. Non, on a cassé le siège des poules. Attends, comment ils vont s'asseoir? Je sais pas. Maintenant, on peut plus s'ambiancer là. On a cassé le siège des poules. Bon, on va faire quoi, gros? On va rester ici, y a plus de siège. Si. Bon, il faut qu'on le remette. Bon, les mecs, aucun bénéf, on a cassé le siège des poules. C'est toi, t'es trop gros là. Et arrête, tu sais pas la faire cette trend là, on dirait un fou là qui fait des pas chassés. Vas-y, viens on rentre. Bon les mecs, Nadim vient de me rappeler que c'est la saison Fortnite, on remet la saison 1. On va lui dire à Zizou et Rémi de se mettre en groupe. On va faire les mecs une partie de Fortnite. Ouais. Les deux qui font le moins de kills dans la game. Ouais. Colorie bateau toute la nuit, c'est bon ou pas? Vas-y, on fait comme ça. En même temps les gars, on va lancer un petit live, on va vous faire kiffer en même temps, ok, c'est bon si jamais, voilà, des malédictions. Nadim, c'est bon? Ouais. Vas-y, on va leur proposer notre gros sac. Rémi, Fortnite c'est bon, il est là, c'est installé. Les deux qui font le moins de kills d'une game, ils colorient toute la soirée. Oh.
C'est bon ou pas? Allez, si chaud. C'est parti? Vas-y, c'est bon. Go, rejoins. C'est parti, allez, go. Comment ça va les petits mecs, hein? Comment il va ce gros sac de Nadimo, Êtes-vous en forme aujourd'hui? Behloul. Mec, on... C'est ce que ça veut dire, Behloul? Toi, t'es un Behloul, genre. Oh. Toi, t'es un Behloul. Ouais, je suis stylé, en fait. Let's go! Nadim, t'es quoi? Un Behloul. Let's go, Nadim, le Behloul. Nadim, t'as un peu trop la classe, moi, je trouve, à mon goût, comme ça, tu vois. Faut que t'arrêtes, parce que là, on dirait vraiment un gars Behloul. Vraiment un Behloul, mais un Behloul de luxe. Ouais. Ça fait trop Behloul. C'est bien. Moi, je pose que des vraies questions. Mais toi, parce que t'es un Behloul. Ouais, c'est normal, mec. C'est normal, mec. I'm a today, I'm a Friday. Yeah! Oh, fuck you! Tu dis ça? C'est pas ça? C'est un ouf, lui. Et ça veut dire quoi? Fuck you, ça veut dire que je suis trop stylé. Behloul, ça veut dire que je suis trop stylax. Tu sais pourquoi j'ai de la classe? Parce que t'es. Regarde. Eh, ça, c'est la Switch à qui? À Crypto, regarde. Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Outfit de Nadim. Nadim, s'il te plaît, ton outfit. On te demande ton outfit. Ok, pantalon 500 euros. Okay. Maillot de mon frère Rémi. Rami. Voilà. Ça, c'est de l'amour. C'est pour ça, ça se paye pas l'amour. C'est pour ça. Mais vous vous aimez pas. Il a pas tort. Je suis un Behloul. Fuck you, le Behloul. Je suis stylax, man. Hein, mec? Fuck you. Évite de le dire à l'école. Ouais, évite de le dire tout court. Viens, je me suis une petite partie. Invitez-les-moi, les mecs. Nadim, 3000. Quoi? 3000. Nadim, 3919. Non, Nadim, 4000. Nadim, s'il te plaît, regarde. On le voit, ton pseudo. Tout le monde le voit, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais comment on est prêt? Nadim, t'es vraiment pas un Behloul. C'est oui, c'est classé, oui. Je suis un fuck you, man. Pourquoi tu sens le parfum de papa, toi? Parce que j'ai mis du parfum. Pire, c'est tactile, la Switch. Oh, zizou. Salut, Behloul. Oh, vas-y, go, on peut y aller. Allez, feu. C'est parti, mec, le meilleur gars. Ok, là-dedans. Bonne chance. Nadim, va tilt tower. Il faut un kill. Pense, moi, je vais me sniper. Allez, hop là, premier kill, la team. Oh, c'est un chien. Un kill. Un kill de ma part. Ça commence mal, les mecs. Ah, je joue à Fortnite. C'est une dinguerie, je joue à Fortnite. Oui, j'ai tué. Nadim, c'est le chien. J'ai deux kills. Comment ça, deux? Arrête. C'est free, il a deux kills. J'arrive sur le côté droit. Comme Karim Benzema. Oh, Rémi se bat vite. Oh, vas-y, frère. Comme Karim Benzema. Trois morts. Rémi se fight encore. Rémi, attends-moi là, donne-moi 2-3 kills, frère. Non. Non, c'est mon kill. Let's go. Oh là 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 là, les gars, je vais me faire allumer le fion. Tu crois que c'était à la boulangerie? Non, non. Aidez-moi, retourne-toi. Gros, j'ai un clodo qui me dit n'importe quoi à l'oreille, frère. C'est impossible de se concentrer. Nadim, t'as des balles d'AK, s'il te plaît? D'accord, ouais. Ouais, merci, mec. Appuie sur R1, R2. Quoi? Appuie sur R1, R2. Et quoi? R1? Ou R3 aussi. Y'a pas R1 et R2. T'es trop bête, Nadim, ou quoi, frère? C'est une dinguerie. Non, je suis mort. On m'appelle l'OVNI. Oh là 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 là. Vas-y, tranquille, je prends ta carte. Allez, hop là, en plus. On m'appelle l'OVNI. Le riz à pas Nadim. Il m'a mis une balle de snipe, souche. Non, il m'a tué. Mais c'est quoi? Non, c'est un... Wesh. Non. Aïe, aïe, aïe. Si tu vois, c'est abusé de ça. Non, moi, j'ai 10, Zizou, il a 9, Demo, il a 2, et Nadim, il a 3. Bah, Nadim, c'est cette nuit qu'on fait le coloriage. On va faire du coloriage toute la soirée, du coup. Mais frère, en plus, demain, on doit partir à Paris. Tu prends le truc et tu colories avec les gens que tu croises à la PGW, non? Eh bah oui, je vais me travailler avec un bateau, t'inquiète. Nadim, on a fini dernier. Ouais. Sur Fortnite. Je suis en business. Donc on doit colorier encore un peu toute la nuit. Je suis en business. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris avec Tu l'as appris quoi? À faire du ping-pong, mec. Mais tu l'as pas visé quand même? Non, je l'ai pas visé. Qui a gagné? Moi. Et moi, je suis là, et moi, je tire là, et lui, il peut pas la récupérer. Donc là, t'es en train de me raconter ton match contre un pigeon, là. Ouais. Nadim, on va faire quoi demain à la PGW? Tu penses qu'il va y avoir beaucoup de monde ou pas? Non, il y aura personne. Mais moi, je vais faire des photos magnifiques. Ah ouais? Ouais. Vas-y, montre à la caméra comment tu vas faire les photos. Nadim, s'il te plaît, on peut faire une photo, mec? Vas-y, vas-y, man. Vas-y, viens. C'est pas stylé, ça, t'es moche, là. Ah, ça, c'est stylé, man. Ça, j'ai pas. Ronaldo a eu le ballon d'or. Déjà, où est-ce que t'as vu que Ronaldo, il avait gagné un ballon d'or cette année, frère? À Paris, TF1. Mais n'importe quoi. Il a dit en anglais, bon les mecs, je suis vraiment content d'avoir gagné ce trophée. Très important pour ma carrière. Yeah. Su, c'est pas en anglais, hein. C'est okay. Pas un mot anglais, su. Les Behloul. il était très content. Et il a dit dédicace à Nadimo. Je suis désolé de te l'avouer, il n'a pas gagné cette année. Mais de
toute façon, Bissi, c'est une crotte. Moi, j'ai l'impression que t'as pris la grosse tête. Non. Des abonnés, ils ont mis Nadim, il prend la grosse tête. C'est-à-dire, j'ai une grosse tête. Non, non, ça veut dire que tu prends la grosse tête, genre en mode, tu fais le malin. Bah non. Regardez ma tête, est-ce qu'elle est grosse? Non, elle est petite. Non, t'es là, t'as des chaussures Gucci, t'as un pantalon Gucci. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez plus voir Nadim sur la chaîne. Ouais, je suis fou. Si tu veux devenir un joueur professionnel, qu'est-ce qui te manque? Courir plus vite. Ouais. Contrôler mieux la balle. Ouais. Dribbler. Dribbler. Vitesse. Vitesse. Être brésilien à ton Brésil. Ouais. Et c'est tout, hein. En fait, il te manque tout. Ouais. Allez, vas-y, va dormir, frère. Ça sert à rien, j'en veux plus, je suis mort. On a bien avancé en vrai. Non. Bien le bonjour les frérots, comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne nuit les mecs. Là il est 9h30 les refs, faut vite qu'on parte sur Paris. On est à Dijon, on a 3 heures de route à peu près pour la PGW, pour vous rencontrer les refs. On devait partir à 8h, il est 9h30. J'espère que Nadim il est prêt, comme ça on monte dans la voiture et c'est parti les refs. On va faire gagner la petite paire Gucci les mecs. Qui va avoir la paire Gucci? Qui va avoir la paire Gucci mythique? C'est parti, on va la mettre dans un sac. Et puis let's go les mecs, on va partir directement. Nadim, est-ce que t'es prêt mec? T'es pas prêt là? Si, voilà mon pote. Ok, Nadim il est en mode Gucci aussi. Let's go le pull browser. C'est parti mec, on prend la voiture, on monte. T'as bien dormi? Ouais. En forme? Ouais. On va aller rencontrer les abonnés. Ouais. Et on va distribuer ta paire Gucci mec. Tiens du parfum, parce que tu pues un peu. Ouais, mets-toi du parfum, ça tue. Ça pue ouais frère, ça pue de ouf Nadim. Ça sent la vieille un peu. Il tue. Il sent vraiment vraiment bon. J'ai faim, vas-y viens, on s'arrête. On vient de partir il y a 5 minutes. C'est pas grave. Ok, vas-y, on s'arrête bientôt. Merci, man. 5 minutes later. Mec, j'ai un peu faim, je crois que t'as oublié encore un truc, hein. Mais dis que tu vas me dire que t'as faim toutes les 15 minutes, frère. Bah, frère, j'ai pas mangé mon petit déjeuner. Mais t'avais qu'à le prendre, c'est pas de ma faute, gros. Tu penses, arrête de prendre McDo. Vas-y, je suis chaud. Non, mais je rigole, frère, il est 10h du mat. Tu fais quoi la gym là? J'écris mon nom frère. Comment ça t'écris ton nom gros? Je passe mon temps à nettoyer la voiture. A chaque fois que tu montes tu la pourris frère. Essuie là. Ok bah tu manges pas mal d'eau à midi. Un peu de parfum pour les abonnés, ils vont bien me kiffer là. Et on est bientôt arrivés les mecs. La gym il pue sa race ton parfum. Si tu. Trop bon. Bon les mecs, ça y est, enfin arrivé avec Nadimo, go chercher les abonnés. C'est parti les mecs, on va vous rencontrer, let's go baby. Bon les mecs, j'ai retrouvé des abonnés. Oh bon les mecs, là on est en train de faire un tour. Nadim il a gratté des cartes. C'est Lille. Ça va encore beau gosse? Ça va bien. Tranquille. Ah mais ça a l'air quoi. Cadrage, cadrage, bancal. Nadim. Ouais. Cours, cours, cours. J'aime pas trop. Mais non, mais oui, j'avais mieux. Celle-là, là, là dit. Ah, mais frérot, il y a des flammes dessus. Bon les frérots, ça y est, journée terminée, on a rencontré plein d'abonnés. Nadim, ça fait plaisir ou pas? Ouais. Les gars, Nadim il est épuisé. Il est épuisé, mais il a plein de cadeaux et on mange quoi ce soir? Pizza. Donc ça va mieux, ça va mieux. Les gars, il y a plein de cadeaux, on va faire un unboxing. Un gros bisou à tous les abonnés, ça faisait vraiment plaisir de vous voir. C'est différent que derrière un écran, c'est pas la même chose. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde. Il y en a plein qui m'ont demandé des dédicaces les frérots. Les rêves que j'oublie, je suis désolé, je ferai quand même des bisous. Je vous oublie là, mais je vous oublie pas dans mon cœur. Ça c'était beau ça, c'était beau ou pas? Ouais, moi aussi j'ai oublié tous les noms moi. Wesh les mecs, comme vous savez normalement, Demo et Nadim ils sont partis à la Pregnance Week. Et là j'ai eu une idée de fou qui m'est passée par la tête. Zizou. Quoi? J'ai une idée de fou frère. Ils sont partis à Paris Games Week. Ouais. Et tu sais, on devait colorer aujourd'hui un peu quand même. C'est de la peinture. Viens, on peint. Il nous a dit, j'espère que vous avez bien avancé. T'as combien de couleurs?
J'ai toutes les couleurs. Ok, vas-y, go. Vas-y, go. Et la caméra, d'ailleurs, elle est passée d'un abonné à un abonné. Je sais pas ce qui a été filmé, les gars, c'est que du feeling. Les séquences, on verra bien. Bref, sur ce, nous, on va prendre la voiture. On a encore 3 heures de route. Je vous reprends dès qu'on se pose pour manger un bout avec Nadim. Et après, les mecs, il y a encore le bateau à colorier. Et Nadim, il y a encore le bateau, frère. Non. Bah, si, il y a le bateau à colorier, frérot. Mec, je sais pas si vous vous rappelez, le truc poterie, quand on devait faire de la peinture, je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir utiliser ça, là, et je vais pouvoir bombarder, ça va être 6 fois plus vite. On vient d'arriver sur Dijon, ça y est, on n'est pas encore chez nous, mais avant les mecs, on va passer au Burger King. Enlève ta main, parce que j'ai... Ah, elle est froide, pardon. On va prendre juste des frites ou je sais pas quoi, ok, et après on rentre, les mecs. On va découvrir vos petits cadeaux, parce qu'il y en a parmi vous qui nous ont offert des petits trucs, c'est super gentil, merci d'ailleurs à vous les frérots. Vas-y, va chercher les cadeaux, on va les ouvrir, go. Ça fait feutre là? En vrai, ouais, hein! Ça fait feutre un peu, hein! Mais gros, guette! C'est pareil, gros, c'est pareil! J'en ai déjà fini un! Non, mais c'est dinguerie là, en vrai de vrai! Hein. Hop! Les gars, on gagne tellement de temps! Oh, j'ai coloré sur le parterre! Tu sais que moi j'ai l'accent québec par contre? Vas-y! Moi je comprends pas là, pourquoi moi je comprends? Après, j'ai aussi l'accent chinois! Vas-y! Je suis pas sûr que je devrais faire. Non, je pense pas faut que tu passes. Je pense pas faut que tu passes. Après j'ai l'accent indien. Ça aussi je pense pas. Je pense pas. Faut pas trop le faire ça en plus. Ça aussi je pense pas que je dois le faire. Ouais, non, le fais pas maintenant. Du côté africain. Bah là ça, tu peux le faire là, puisque t'es africain. Oui, je suis africain, je suis tunisien. Vas-y. C'est Non, je pense que le fais pas non plus. Non. Ah, non. Allez, vite. Stop. J'ai sur le sol, Zizou. Je vais appeler papa. Hein. Je vais appeler papa, gros. Non, c'est pareil. Toujours, je vais appeler papa. Bon, vas-y, Nadim. Attends, à ouvrir en vidéo. Ah, bah c'est où? Il y a un mot. Vas-y. Okay. Je suis désolé, Nadim, il a tout déchiré. C'est un cadeau de Abdelatif et Wael. C'est bon? Oh, c'est quoi ça? C'est un ukulélé. C'est quoi ça, Nadim? C'est un ukulélé. T'es jure que c'est une guitare pour enfant? Non, c'est un ukulélé. My first guitar, ta première guitare, mec. Wesh. Wesh. C'est plus de quoi? Pas de patrouille? Allez, c'est bon, moi. Non, bah non, parce que c'est juste un chien. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas la patte patrouille, donc t'aimes bien. Merci, Emma. Si on était la patte patrouille, t'aurais dit non. Ouais. Ok, validé. Un petit t-shirt Chelsea. Tu sais, celui qui me l'avait donné, il avait le banc Chelsea. Magnifique. On nous a offert aussi un petit coffret avec plein de trucs Naruto. Ça, c'est Silax. Super carré. Nice. Une bonne journée ou pas la PHW? Ouais. Validé? Ouais. On y retourne l'année prochaine avec Rémi Zizou? Ouais. Ok, go. Nice. On est passé toute l'épreuve de la peinture. Jamais il nous crame. Là, faut juste que ça sèche. Là, on repart. Comme ni d'Adam, si ni d'Ève. Ouais, vas-y, on va dormir. On fait rien. On dort. Rémi! On est rentré de la PGW, Rémi. L'année prochaine, t'es obligé de venir. Tiens, t'as une carte. On a ouvert dans les Rémi colis. Le cochon. Il aussi, il aurait pu mettre Rémi le beau. Rémi le cochon, regarde tes attaques. Gros P. Gros P. Des bagarres. S'il se bagarre, il perd systématiquement. Elles sont stylées, non? Et si j'ai pas mélangé toutes les cartes, c'est frérot Baptiste. Nadim, aussi ta carte, toi. Vas-y, moi. Surprise. Oui. Quand il est pas content, il attaque. Danse favorite, le One Piece. Vous avez avancé le dessin? C'est dingue. On a fini en vrai, là. Non. On a limite fini. Dis la vérité. C'est demain qu'il faut qu'on aille laisser dans la rivière. Zizou qui a eu l'idée. Voilà, je peux cave. L'année prochaine, tu viens avec Rémi, c'est bon? C'est bon, les quatre. Ouais. Demande des pièces. Le SDF. Quand tu reçois de l'argent, il devient fou. J'imagine, fait ça. Partout où il passe, il reste. Vous avez avancé le dessin? Gros, va voir, tu vas être choqué. Tu sais que c'est demain qu'on y va. Hein. Les gars, je suis épuisé, j'aurai pas la force d'avancer ce soir. J'espère qu'ils ont fait un bon truc. Ils ont mis de la peinture. Et en plus, ils ont rien avancé. C'est même pas encore sec. Aïe, aïe, aïe. Le bateau il est fini. Faut aller le tester en mer. Non, je crois on va pas pouvoir. J'appelle Rémi, on y va, c'est bon? Ok. Mets une tenue, prépare-toi, Zizou. Je vais appeler Rémi. Le moment est venu. On va aller chercher Rémi. Zizou il va se préparer et on va essayer le bateau, les mecs. Rémi, le moment est venu, mec. T'as la conclusion? Ouais, vas-y tous. C'est beau. Ça y est, je t'ai mis enfin à travailler. Alors que c'est demain la rentrée. On est dimanche. Ok. On va aller en mer. Zizou il va se préparer, on y va, c'est bon? En mer là? On va en mer. J'ai chargé le plus beau de terminer les dernières retouches. Il est là. Mec, j'ai fini. J'ai fini le contouring. Quoi? Contouring. Comment ça le contouring? En fait, c'est ça. Tu fais ça. Après, tu prends ça. Tu fais ça. En fait, tu fais un zigzag et tu passes en noir autour. Ouais. C'est glaté, frérot. Ça tue. Et quand même, on l'a fini. Où est-ce que tu connaissais le contouring? Tu regardais les sisters tranquillement. Tu te mets en tenue. Rémi se prépare. Zizou se prépare. On va le tester en mer. Est-ce que tu penses qu'il va résister aux vagues? Combien de temps? 5 secondes. 5 secondes? 2 secondes. Ok. On va voir Rémi met combien. 4 jours que nous sommes sur ce bateau. Plus d'un an avant de faire cette vidéo-là. C'est le moment. Mais déjà, on a fait plus rapide que la vidéo fusion. C'est le moment où la fusion a mis une semaine. Si jamais vous avez kiffé, vous m'explosez les pouces bleus, les gars. Et vous mettez dans les commentaires si vous voulez encore un troisième épisode. On a fait la fusée, on a fait le bateau. Je trouverai autre chose, peut-être une cabane. Comme ça, on passe une nuit dedans. Peut-être. Bref, c'est parti. On le prend, on va l'essayer, les mecs. Allez, ciao.
Le bateau est prêt, les mecs. Attends, le bateau est prêt. Zizou, il est où le sol là? Hein? Il est où le sol? Quel sol? Aérien, pour voir les oiseaux. Enfin, les gars, par contre, le bateau il a vraiment de la gueule. Hein. Il a vraiment, vraiment de la gueule, le bateau. Rémi, pour toi, tu tiens combien de secondes? Moi, je dis 4. 8. Ouais, moi, je pense 10. Et moi, je dis, les mecs, il tient 2 secondes. Oh, je suis bien, en fait. En vrai? Vas-y, tu peux t'asseoir sur le bateau, Zizou. Let's go. Assieds-toi, Zizou. Attends, faut que ça soit, Ok, les mecs, il tient le bateau. 10, 11, 12, 13, le bateau est en train de marquer 6. 15, 16, le bateau. Son pied. Mais non. Il a fait tomber son pied. Mais il me saoule, ce gars. Bien vu, Zizou. J'ai gagné. Et les mecs, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. C'était un bon projet ou pas celui-ci? Moi, j'ai dit que si on atteignait les 20-25 000, on fera dans une cabane et cette fois-ci, on passera la nuit dedans. Ouais. Tu sais, vu qu'on a fait la fusée, on a fait le bateau. Une chacun pour vous. Chacun va la colorier. Et on passera tous une nuit dedans. On aura 4 cabanes et on passera la nuit dedans. Ça tue ça. C'est bon ou pas? Les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Du coup, c'est plein de vidéos dans une vidéo. Les refs, je compte sur vous. Explosez-moi les petits pouces bleus. On s'abonne, c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures encore farfelues. Croyez en vos rêves comme les bateaux naviguent sur l'eau. Ça, c'est beau ça.